Bon matin, mercredi 21 octobre. 21 octobre. En fête de Nordin, matin, qui fait pas chaud. Après moi, il y a une tempête dans l'air. Bon. On est en train de remonter à côté de notre pièce. Dans une heure. Toiture mobile là, qui sert en même temps de lorsqu'elle est abaissée. De communiquer à l'intérieur de la cabine. On a l'envers. Il a fallu de manquer une partie intérieure parce qu'il y avait des pièces de bois que vous avez vues, là, toutes pleines d'eau, mouillées. Le polyfère qui avait été inséré à l'intérieur lors de la construction était plein d'eau. Alors, un coup séché, il faut bien remonter d'un côté à la fois. Alors, ce qu'on a fait, après avoir nettoyé tout l'intérieur, j'ai réinséré une pièce de bois, pleine longueur. Vous pouvez choisir le bois que vous voulez, là, d'avoir une bête imbibée de faune. Ça n'a pas grande importance. S'il n'y a pas d'eau qui va à l'intérieur, il devrait rester intact de nombreuses et nombreuses années. Ces panneaux-là, avec le temps, c'est sûr que de la façon qu'ils sont installés quand ils sont suspendus, ils sont élevés, c'est-à-dire, il y a des braquages à bout. Mais avec le temps, ça se déforme. La structure ici, on la voit de l'autre côté, là, celle qui est ici longitudinale. Là. L'autre pièce qui a été découpée est ici. On va aller comme ça. Il y a une rondeur. Ça va être très, très, très difficile de la ramener parce que le temps a fait que cette déformation a pris un rigide. Il est devenu très, très rigide. C'est pour ça qu'ici, on est suspendu dans les roues. Puis j'ai mis un 100 livres de sable pour l'affaiser un peu pour lui enlever cette tonsure. J'en ai encore eu une petite affaire, mais il reste un peu pour faire de miracle. La pièce a été conçue nombre d'années, puis le temps a fait son œuvre, on veut dire. Mais ça ne devrait pas rien changer, parce que dans les dernières années, il était comme ça. Puis, il va rester comme ça. Par contre, là, le client a demandé, est-ce que je fais des blocs ici? On va rajouter des cylindres pour aider à monter cette structure. Au lieu de le faire juste à la main, du cylindre comme un coffre d'auto, un capot d'auto, un hood si on veut. Enfin, c'est ça. Là, on a remis une bordure de bois à l'intérieur. Quand vous faites des réparations semblables, là, il y avait du polyfère, c'était pesant. Ça ne servait à rien de remettre aujourd'hui des matériaux. Peuvent compenser pour ça. Bien plus facile de travail. C'est de la mousse. On essaie de choisir une mousse à haute densité. Avec un fusil qui s'installe au bout. Un coup que notre pièce de bois est installée, on peut la fixer avec un peu de plastique, là, durcisseur pour la garder en place. Et on fait notre forme, là, ce qui est arrivé, c'est que tout est rempli avec cette mousse. Très, très, très dur. À l'épreuve de l'eau. Comme on peut voir, ça flotte très bien.
ça se travaille aussi très bien, ça se sable très bien. Alors, un coup, notre pièce, nos pièces installées, avec des trous qui restent, des trous d'un côté, on injecte cette mousse de polyuréthane. Ça colle après les parois, partout, partout, c'est collant, collant. Ça sert à rien de penser après ça à bouger ça. Donc on est sûr que c'est en place. C'est rempli avec un matériel quand même assez rigide. Il y a, en s'étendant, en gonflant, notre pièce de bois qu'on a posée, bien elle, elle s'est toute enveloppée, scellée. Le foam a été partout, partout, partout. Donc, on est assuré. Donc, ils ont assuré 99%. Il n'y a plus grand vide dans ces parties-là. Alors, plus de vide signifie moins tendance à ce que l'humidité s'y accumule, puis à un moment donné, causer de l'eau, causer des tests négatifs en humidité. Gelé l'hiver. Éliminer les troubles qu'on a eu présentement. Pour calibrer notre machine. Bon. Alors, je ne sais pas si on peut voir. J'ai mis une photo au tout début. Voyez-vous, on joue dans l'humidité à 11%. 12%. 10, 6,9 même. Alors que l'autre côté, on a encore des taux. Je n'ai pas fait sécher, trois mais ça, on va faire un tour à la fois. 14, 16. Dans les bas, on a jusqu'à 30. Mais... Alors quand on aura enveloppé, comme de ce côté-ci, on a fait. Avec une toile chauffée quelques jours, on devrait retrouver des taux acceptables avant de commencer à mettre, à remonter notre verre en place. Et tout ce qui va rester à faire, ça va être de boffer, égaliser nos pièces, groover, puis refaire de la fibre, de la toile de fibre. Après ça, de la finition. C'est sûr et certain que il y a des heures à mettre, peu importe qui le fait, que ce soit un professionnel ou un amateur, il y a du temps à mettre pour avoir une apparence quand même agréable puis pas trop délabrée. Alors c'est ça pour aujourd'hui. On avance tranquillement avec le temps. Si nous, le panneau est prêt, là, on ne voit pas, mais l'autre bout, le panneau est prêt, le primaire est posé, on va rester la peinture. On met quasiment 3-4 jours au niveau de séchage. Alors ça nous retarde un peu dans l'avancement de nos travaux. Mais avec du temps et de la patience, compte tenu que l'hiver est à nos portes pour un 6 à 7 mois, renfermé, à moitié renfermé, confiné, à moitié confiné, là on ne sait plus trop à quoi s'en tenir, comme au début de toute façon. Le gouvernement a complètement perdu la face. Puis ils ne savent plus quoi faire pour essayer de sauver les meubles un peu. Fait que je vous laisse là-dessus, bonne fin de journée. À ceux qui ont des bateaux enveloppés dans des coins, je ne sais pas, moi, Québec, Lévis, Marie-Neuve-Vieux-Port, attachez bien vos toiles et vos tucs, parce que ce qu'ils nous annoncent, c'est pas beau, puis des chances de vous ramasser avec des dégâts. Bye, Guy Perret.